Mon alarme, c'est un petit peu Bella, comme vous le voyez, celle qui vient me réveiller le matin, à peu près toujours à la même heure, et voilà, c'est matin câlin comme vous pouvez le voir, et après, les choses sérieuses commencent parce que faut bien ouvrir les volets. Mon second geste du matin après Bella, bien entendu, c'est de prendre mon téléphone qui est sous ma cachette secrète, sous mon oreiller, comme vous le voyez. Et après, bah, je vais checker un petit peu tous les réseaux sociaux. Il y a Bella qui essaie toujours de mordre le téléphone. Et là, tout à coup, il y a ça. On est connecté, Mimine. Qu'est-ce qu'on est là? Heureusement qu'elle met pas les griffes. Hein. Je vous dis, quand elle est toujours collée à moi, je vous assure, c'est pas une blague. Donc je retourne à mes réseaux sociaux, je vais voir ce qui se passe sur Instagram, ce qui s'est passé toute la nuit en fait, Twitter et tout. Après je poste tout ça, et puis je me motive à me lever parce que bah, il faut bien y aller au bout d'un moment. Étant donné qu'on est toujours en été, il fait encore toujours très beau, donc le matin, j'aère, j'adore ça. Autre chose, c'est que j'aime bien allumer cette bougie en particulier et aucune autre, la Soft Linen de Village Candle, qui est une odeur de lessive et j'adore de bon matin, j'ai l'impression que ma chambre passe au lave-vaisselle, c'est trop bien. Puis voilà, je laisse aérer et après, état des lieux, je passe à ma cuisine où là encore, je vais ouvrir bah, tous les volets. Enfin voilà, les trucs absolument habituels. Hein. Avant toute chose, je file à ma salle de bain où je vais me passer un coton de solution micellaire. Donc j'utilise toujours de celle de chez Garnier, que ce soit matin ou soir pour me démaquiller, sur l'ensemble de mon visage et ça me réveille réellement. Si je fais pas cette étape, j'ai l'impression que la journée ne commence pas et de ne pas être clean, donc ça commence toujours par ça. Après ça, je retourne à ma cuisine et je crois que je faisais déjà ça dans ma précédente morning routine, donc vous voyez, ça n'a pas changé. Je me prépare un grand verre d'eau fraîche avec 3 rondelles de citron, c'est quelque chose que j'adore faire même depuis le début d'année. Perso, ça me réveille totalement et en plus, ça fait office de détox pour l'organisme. C'est vachement agréable, surtout en été, c'est quand même vachement sympa. Moi, je rajoute pas de glaçons parce que j'aime pas trop ça, mais vous pouvez aussi bien en mettre, puis voilà, ce genre de truc est hyper rapide à préparer, n'est-ce pas? Donc la veille, je m'étais préparé des petits scones, donc ce sont des petits pains anglais que vous pouvez ensuite rajouter avec de la confiture, etc. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Donc moi, il faut savoir que le matin, je ne déjeune jamais, sauf si vraiment je me lève super tôt ou que je sens que je vais en avoir besoin. Donc là, par exemple, ce matin, c'était le cas, puisque je me suis levée tôt pour filmer et tout. Et puis voilà, ça me faisait plaisir de manger un petit truc, donc je me suis préparé des scones avec de la confiture de fraise, tout simplement. J'amène ensuite mon petit plateau qui vient de chez Maison du Monde, pour ceux qui demandent. À ma chambre, sur mon bureau, où je m'installe bah, devant YouTube, où je regarde les premières vidéos du matin. Une fois que la vidéo est terminée, je file sur ma boîte mail, regarder un petit peu ce que j'ai reçu durant la nuit, la matinée, tout ça, tout ça. Faire le tri parce que, en fait, c'est ça qui prend le plus de temps, c'est vraiment gérer les mails, entre faire le tri, répondre, voir ce qui va pas et tout, bref. Donc je reste un moment sur ma messagerie, ensuite je vais sur Twitter encore une fois, parce qu'il y a souvent des notifications et j'aime bien être à jour pour pas avoir tout à rattraper d'un seul coup. Je ne vous cache pas qu'être en pyjama, j'adore ça, mais bon, quand même, faut bien enfiler un truc un petit peu plus présentable. Donc aujourd'hui, j'ai opté pour une combi parce que je n'ai rien fait de la journée et que c'est le truc le plus confortable du monde. Donc c'est parti, et elle vient de chez Mango pour info. Après m'être brossé les dents, j'applique ce sérum de chez Clinique comme chaque matin. Je vous avoue que j'en suis pas totalement fan et hyper convaincue. C'est censé raviver l'éclat de la peau et tout, mais j'ai préféré l'ancien, mais je me souviens plus de son nom. Ça, je le fais pas tous les matins, mais en ce moment, je vous avoue que j'aime beaucoup l'appliquer. C'est le Puff Off de Benefit. C'est un gel en fait que vous appliquez donc au niveau des cernes qui est décongestionnant et qui est hyper frais. Enfin, moi j'adore, c'est pareil, j'ai l'impression que ça me réveille encore plus, c'est hyper agréable. Et comme là, comme je vous l'ai dit, je ne compte pas me maquiller, c'est absolument parfait et ça fait vraiment beaucoup de bien. Ça va, ne rigolez pas, oui oui, je brosse les sourcils aussi le matin. Bref, après j'applique un baume à lèvres, j'en ai 10 000 dans toute la maison. Ce matin, c'était le Baby Lix de Maybelline et après m'être brossé les cheveux, je les attache. Donc pareil, il fait chaud en ce moment, donc je ne me casse pas la tête. C'est un large bun, super foodie, bref, ça prend quelques secondes et ça fait l'affaire. Si vous suivez ma seconde chaîne, vous savez sans doute que je vlog et c'est ce que je faisais en tout cas ce matin-là. Ensuite, je file à la boîte aux lettres voir ce qu'il y a. Ce matin-là,
elle était absolument pleine à craquer. Donc je ramène tout ça et après je reviens à ma chambre où je prépare un petit peu les futures vidéos, un petit peu les petites idées, ce que je fais habituellement en fait, ça change vraiment pas. Je me note les petits trucs à ne pas oublier, j'ai tendance à avoir plein de trucs en tête et à facilement oublier. Et ensuite je pianote, je clique, bref, une geek. Pour m'aérer un petit peu les yeux, j'ai décidé d'accompagner ma mère chercher le pain. Oui, très excitant. Mais voilà, c'est ma morning routine. Donc je prépare mes affaires, j'enfile mes lunettes et puis c'est parti. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des millions de bisous et à très bientôt. Ciao.